Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va étudier les énergies dominantes de ce début d'année, voilà, pour ensuite aller naviguer sur peut-être le futur proche. Alors, en ce moment-là, on vient de rentrer dans la saison du poisson. Donc les énergies du poisson vont être très dominantes les prochains mois. Et je pense qu'il y aura une influence sur l'année complète parce qu'on a la joie de retrouver les maîtres du poisson qui sont Jupiter et Neptune dans le signe du poisson. Et on aura cette très belle conjonction que beaucoup de gens qui s'intéressent à l'astrologie connaissent, donc cette conjonction de Neptune-Jupiter en poisson le 12 avril prochain, juste au lendemain ou au surlendemain du premier tour des élections présidentielles. Donc Jupiter l'expansif, Jupiter le positif, Jupiter qui a un lien avec tout ce qui est règles communes, règles du collectif, les lois notamment, Jupiter c'est Zeus. Donc là on est carrément dans l'énergie de quelque chose qui peut s'apparenter à des élections ou à un système politique, voilà, qui est régi par des lois et des réglementations, qui c'est un contrat social peut-être que certains ont décidé de mettre à mal ou de changer ou au détriment d'autres, on ne sait pas. Donc voilà, Jupiter l'expansif dans le lié à Neptune, l'océan, l'infini océan émotionnel. Neptune, planète d'eau. Neptune, la planète des rêves, des aspirations. Donc il y aura certainement, il y a déjà dans le ciel qui passe en poisson aujourd'hui, on est le 21 février 2022. Donc on a déjà dans le ciel une bonne expansion de nos aspirations, voilà, des rêves, de certains idéaux qu'on peut avoir. En tout cas, il y a une conscientisation de l'infini émotionnel qui nous habite. Voilà, alors ça peut créer beaucoup d'espoir. On parle de toute la planète en transit, donc d'espoir collectif. Et il se trouve qu'on arrive tous à un moment politique jupitérien. En plus, on a notre président Macronus Ier, très jupitérien, hein, c'est lui qui l'indique par ses propos. Et puis son thème astral lui donne raison, puisqu'il est, il est sagittaire, le monsieur, il me semble, ou ascendant capricorne, mais c'est un sagittaire, donc Jupiter, maître du sagittaire, aussi maître des poissons. Mais le poisson a comme maître ancien Jupiter et comme maître nouveau depuis qu'on a connu cette planète lointaine, Neptune. Donc Neptune, Jupiter, maître du poisson. Donc on est dans un temps jupitérien de refonte peut-être ou de choix d'un nouveau chef, voilà, un chef de la démocratie, hein, comme on dit. Et on est dans cette période neptunienne, voilà, à un moment donné, d'accentuation des espoirs collectifs. Il y a les planètes en transit qui passent au-dessus de notre tête et qui nous influencent. Alors ça, c'est l'énergie du moment. On est passé par un début d'année où justement on était pas mal dans l'introspection. Et c'est de ça dont on va parler sur cette vidéo, de l'introspection qui est nécessaire à chacun pour pouvoir évoluer et aller vers le futur, ou au moins aller sur une fin d'année peut-être plus sereine. Parce que le ciel nous indique ça, il nous le hurle, qu'il faut vraiment qu'on puisse mieux se comprendre à l'intérieur, peut-être ensuite pour mieux expanser vers l'extérieur, puisque dans le cheminement des planètes, elles ne vont pas rester toujours en poisson, et ce cher Jupiter qui va être en conjonction avec Mars aux alentours entre le 20 et le 30 mai, en bélier, donc là on est quand même vers l'extériorisation, énergie de feu, énergie d'action instinctive, de démarrage, bélier, hein, voilà. Donc c'est le moment, dans cette saison du poisson, d'essayer de mieux nous comprendre nous-mêmes. On a commencé par avoir pas mal de planètes rétrogrades en Capricorne au cœur de l'hiver, donc on avait Vénus qui était en Capricorne en janvier 2022, donc là on a eu l'occasion de se recentrer sur son cocon, de chercher à l'intérieur de sa grotte l'amour qu'il n'y avait peut-être pas à l'extérieur. On était dans une période très divisée, avec ce putain de carré Saturne-Uranus qui a pesé sur nous toute l'année 2021. Hein, donc je le dis comme j'ai dit dans d'autres vidéos, Saturne en Verseau, Saturne dans le signe du peuple, le signe des réseaux communicationnels, donc une restriction Saturne en Verseau dans l'expression des communications collectives. Voilà, on a bien vu, hein, on nous a enfermés, on nous a confinés,
on nous a censuré, enfin voilà, c'est vraiment du jamais vu, hein, c'est du jamais vu depuis très longtemps en tout cas, qu'on n'a pas enfermé les gens, qu'on n'a pas fait de la censure aussi massive, notamment sur Internet et les réseaux sociaux, qu'on n'a pas une Pravda tellement orthodoxe avec la doxa du pouvoir au niveau de la presse mainstream. C'est assez incroyable, assez puissant à vivre en tout cas. Donc ça, c'était très ce carré donc, de Saturne en Verseau avec Uranus en Taureau, Uranus, c'est les velléités d'évolution, de progrès, le Taureau, c'est la vie matérielle, le caractère un petit peu proche de la nature, proche de la terre, travailler la terre en Taureau. Donc peut-être que les aspirations à améliorer nos vies matérielles concrètes ont été freinées par cette restriction collective du Saturne en Verseau, restriction d'expression collective, puisque le Verseau est un signe d'air, donc de communication. Voilà, Verseau, c'est très les réseaux, Internet, voilà, réseaux sociaux, c'est très Verseau, Internet, c'est très Verseau, c'est très uranien, voilà. Mais Uranus, lui, était en face en carré, donc il y a eu un petit problème à ce niveau-là, petite restriction. Donc on a là-dessus, en fond de ça, avec ce carré qui, au fur et à mesure de l'année, là, on est dans un carré beaucoup moins puissant, donc avec une orbe beaucoup moins puissante, c'est-à-dire un carré exact, c'est pile 90 degrés, je vous donne un exemple, 10 degrés Saturne en Verseau, 10 degrés Uranus en Taureau. C'est un carré exact. Là, maintenant, on est un petit peu à moins, en mois de février. On a eu donc ce recentrage de l'amour dans sa grotte vénusien qui était rétrograde, énergie rétrograde, donc qui est tournée vers soi, qui n'est pas tournée vers l'extérieur, donc c'est une énergie qui est plus justement dans l'introspection que dans le passage de l'énergie de soi vers au-delà de soi. Donc c'est un moment donné où on réfléchit sur soi, sur sa manière d'aimer, sur ce qu'on aime, voilà, on se recentre. Il y a eu Mercure aussi qui a refait un passage fin janvier en rétrograde aussi en Capricorne. Donc pareil, à un moment donné, on s'est restructuré dans sa capacité de compréhension, de mentalisation, justement dans cette grotte, dans cette structure Capricorne. Le Capricorne, c'est celui qui prépare son plan pour ensuite aller gravir sa montagne. C'est le signe cardinal, donc qui démarre l'énergie de terre, à savoir que le signe cardinal, c'est celui qui commence. Donc en terre, le Capricorne, il prépare son plan hein, pour aller gravir sa montagne. Ensuite en Taureau, on est en signe fixe, donc là, concrètement, on travaille la terre, on est ancré, on est stable, on est fixe, on est parfois trop fixe. Et donc le Taureau est la terre, il travaille la terre. Ensuite la terre est utilisée en signe de la Vierge pour en faire quelque chose. Voilà, c'est pour ça que la Vierge est un signe qui est très ordonnancé. Donc il sait dire, bon, ben, mission 1, mission 2, on fait ci, on fait ça, on est ordonné, on est rangé. Parfois un peu trop perfectionniste. Donc on en est à et puis on a Uranus aussi qui était rétrograde et qui est repassé en direct en même temps que la nouvelle lune en Cancer le 18 janvier. Il y a eu plein de choses hein, sur cette date, on en avait parlé dans d'autres vidéos. Le nœud nord a changé d'axe et a passé de l'axe Sagittaire nœud sud, nœud nord en Gémeaux, donc axe communicationnel, à nœud nord en Taureau, nœud sud en Scorpion. Donc là, c'est l'énergie où on sort du puits émotionnel. Donc on est toujours dans cette introspection. Là, à un moment donné, on nous demande de réfléchir à notre fond du puits émotionnel, hein, qu'est-ce qu'on a trouvé dans les sombres eaux de notre intérieur, de notre vie intérieure. Et le Taureau est là, sur la terre, ancré, et qui tire le Scorpion pour qu'il sorte, et pour que cette eau aille travailler la terre concrètement. Donc c'est des énergies qui sont ultra intéressantes pour faire de l'introspection, et à un moment donné, il va falloir que cette introspection en fasse quelque chose. Le dernier rappel, mais rappel surpuissant de tout ça, de cette énergie d'introspection, c'est donc la saison du poisson, donc c'est maintenant qu'il va falloir qu'on termine cette introspection. On commence à sortir de nos grottes, mais il va encore falloir qu'on comprenne ce qu'on fait. Le nœud nord en Taureau, il a besoin de sens pour travailler sa terre. Le sens, il l'a trouvé dans son nœud sud en Scorpion, voilà, où il a fouillé dans ses noirceurs éventuelles, émotionnelles, en tout cas, une tentative de compréhension hein, de ce qu'on fait. Et donc, cette conjonction en poisson, et en plus, il y a Vénus qui va arriver en poisson aussi, planète exaltée. Donc, tout ça, c'est très intéressant pour se comprendre. Et en ce moment, on voit quand même des gens qui ont du mal à se comprendre. Et c'est en général, c'est ceux qui refusent,
qui luttent pour ne pas faire cette introspection. Et à quoi on les repère, ces gens-là? C'est finalement qu'ils sont chiants. Ils sont chiants, ils se débattent, ils agitent leurs bras dans le vent parce qu'ils ne se comprennent pas et qu'ils ne font pas l'effort de se comprendre. Donc dans ce mois de la saison du poisson et jusqu'à avril avec cette fameuse conjonction qui sera présente pendant les élections présidentielles, durant les deux tours, donc tout le mois d'avril, donc mars-avril, c'est le moment de terminer de se comprendre. Et parce que ça, il va falloir qu'on extériorise ensuite. Et si on ne s'est pas bien compris dans nos émotions intérieures, eh bien, on risque de faire un peu plus n'importe quoi que si on a vraiment du sens sur ce qu'on fait. Donc il va falloir faire la comparaison entre Neptune, ce qu'on rêve, et nos aspirations, très fort, parce que Jupiter, il amplifie tout ce qui touche et gonfle aussi tout ce qui touche. Donc peut-être qu'à un moment donné, les gens vont être un peu gonflants avec leurs espoirs ou leurs idéaux, leurs aspirations. Il va falloir qu'on comprenne ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc dans nos vies personnelles, voilà, tout à chacun, on fait des choses dans la vie qui correspondent ou pas avec ce dont on a envie, ce à quoi on aspire. Et dans le collectif, c'est pareil. Dans le collectif, on fait des choses, on vit d'une certaine manière, on a un mode de vie tel ou tel, qui correspond à ce qu'on voudrait finalement, voilà, ou pas. Et c'est souvent ou pas, avec Uranus en taureau et le nœud nord en taureau. Uranus, c'est le changement, c'est l'énergie électrique, Uranus, c'est le dieu des tempêtes, voilà. Donc c'est souvent des changements soudains, ça correspond à des changements soudains selon où ça passe sur nos thèmes, qui nous arrivent dessus, qui ne sont pas de notre fait, et qui nous font changer souvent de manière assez brutale. Uranus, c'est une planète de feu. Donc, peut-être Uranus est dans le signe du taureau, donc peut-être qu'à un moment donné, nos modes de vie, avec tout ce qu'on entend sur le climat, la montée des eaux, peut-être qu'au niveau écologique ou environnemental, peut-être que notre mode de vie collectif ne correspond pas ni à nos aspirations, ni en fait à ce que le ciel nous indique de faire ou de changer, ou de faire évoluer. Voilà. Donc, l'occasion des élections présidentielles en France nous donnera. Une petite feuille de route pour nous dire, essayez de vous comprendre collectivement, comprendre qu'est-ce que vous faites, essayez de comprendre ce qui se passe dans vos vies personnelles, essayez de vous comprendre, peut-être pour mieux vivre les uns les autres dans une certaine unicité qui est très poisson, puisque le poisson, tout va dans la flotte, tout est dissous dans la flotte et ne forme quelque part plus qu'un, alors que dans cette énergie de division qui avait cours l'an passé entre dans le carré Saturne verso Uranus taureau, là on était plus dans la division, essayer de classer les anti-vax, les pro-vax, les pas fachos, les fachos, les ci, les ça, une vraie énergie de division. Là c'est le moment de tout remettre ensemble dans la flotte. Essayer de tous mieux se comprendre collectivement, et ça commence par soi, en se comprenant mieux personnellement. Voilà. Donc, il y a des élections présidentielles, peut-être, qui vont mettre un peu, faire sortir de l'eau, faire voir le soleil, ces émotions scorpions, sur la terre concrète taureau, peut-être qu'on se comprenne mieux, peut-être qu'il y a besoin qu'on sorte les émotions, qu'on les mette au jour, pour les mettre à jour, et encore faut-il les comprendre quand elles sont en nous, voilà, sinon elles vont sortir n'importe comment. Donc bonne conjonction Neptune-Jupiter à tous, moi je vous laisse, et je vais faire d'autres vidéos très rapidement. Le programme, on a donc ce 25 mai, enfin je ne sais plus, fin mai, quelque chose comme ça, début juin, peut-être 30 mai, où on va extérioriser avec Jupiter et Mars en bélier, donc là on va faire une petite merguez party, ça va chauffer. Et ensuite, il y a une vidéo très intéressante que je ferai sur Uranus qui rejoint le nœud nord en taureau avec Mars en conjonction, parce qu'il faut bien qu'on rigole, le 1er août ou au début août. Voilà. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos.